parti pour l'immortel contre Ronnie. Winners quarters de ce random smash 8. Et ça part sur du Link Mart. Est-ce que c'est la finale de la Japan Expo? On ne sait pas, on ne sait plus. En tout cas, pour l'instant, c'est compliqué. Et Ronnie qui s'en sort très très bien. Très jolie phase. Peut-être un début de quelque chose pour l'immortel. Non, l'interruption. Ronnie qui connaît les pourcents. Il a pas de trou pour mettre au stage. Le boomerang qui touche. Ouh, ça attendait quelque chose de très. De très ballsy. Oh, le down tilt. Et c'est à ce moment, ça se joue. Quelques petites erreurs de la part de l'immortel, genre quelques rolls un peu paniques qui sont pas punis. Oh, très joli shit grab. Oulala, ce smash. Et pour l'instant, l'immortel qui s'en sort bien. Et là, cette forwarder qui fait tellement mal. L'immortel qui sent tellement bien qu'il se fait péter tout seul. Très joli neutral air, très bien spacé de la part de Ronnie pour esquiver cette F-Silt. Oh, le FR typé qui envoie tellement loin dans la blast zone. Le contre, et ça va être la fin de la stock de l'immortel. C'est compliqué. Oh, le snap, non. Oh, la très joli neutral air. Oh, mais il revient quand même. Oh, ça tente une phase très, très, très vilaine. Est-ce que ça va être le reverse edge guard? Oh là 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 là, est-ce qu'il revient? Non. Oh, il revient, il l'a sauvé. Non, là, ça tentait le. Oh là là, et il a toujours pas son saut. Il a toujours pas son saut. Et la magnifique phase de Ronnie qui prend cette game et ce YouTube highlight de la semaine. Mais oui. Event Mahjong Gaming, tout ce que tu veux, init smash. La smash, je vais pas venir. Et donc les bans, la phase de ban se fait. Et donc on va voir qu'elle va être le choix de l'immortel, ça part sur un DF. Et pour l'instant, c'est pour s'en gratter, mais c'est complètement une bonne. L'avantage au positionnement du terrain pour Ronnie, qui a peut-être déjà réussi à faire craquer son deuxième saut, hein, l'immortel, mais tout va bien. Oh, le FT qui a été très sagement esquivé par Ronnie, c'était vraiment bien taillé cette horloge. Le FT. Oh, très joli, ce drive qui aurait pu passer à rien du tout. Le smash qui passe pas. Il est mortel qui se retrouve bloqué malheureusement sur sa dash qui a craqué son saut. C'est compliqué, non. Il concède la stock. Mortel, ça va être compliqué là-bas. Le retard qui s'est aggravé terriblement en une affaire de secondes. La carte n'est pas touchée. Border. Petite jab grab. Ronnie qui va trouver le sol. Ah, il se refait en voyant l'air. Malheureusement, le petit shot pour le reader dodge qui n'aura pas fonctionné. Oh, très jolie question de le père pour pas le reader dodge. Le F tilt qui fait tellement mal et qui est tellement mal yai aussi. Du coup, seulement une trentaine de pourcents, c'est encore jouable pour l'immortel. Oh, le shield break. Et ça space. Et ça fait le deuxième. Est-ce que ça tue? Eh oui. Oh là là, la game qui semblait plus even jusqu'à ce terrible moment. Et donc c'est la deuxième game qui est partie pour... deuxième game qui part pour Ronnie pendant que nous disons bisous à Alpha X et BL. Ça repart sur un dev, pardon. Et là, on voit un Ronnie qui va tenter son approche à base de walk shield. Il a bien raison. Après, je vais utiliser son side B pour envoyer off en l'air. Et on voit un nouveau Limorphe qui est dans une phase de zoning
Ronny qui est vraiment très patient, qui trouve la faille dans le pattern de zoning de l'immortel. C'est très bien joué de sa part. Oh là là, il avance, il chie de la bombe, il repart sans aucune forme de pression. C'est vraiment bien joué de sa part. Et le bordel qui se fait pousser tout doucement offstage. Joli, joli phase après la chope pour le positionnement. La bombe qui a forcé Ronny à shielder, mais il a réussi à tirer parti au final. Très joli ce jump forward air. C'est peut-être un peu plus tendu. Il faudra faire gaffe à cet air dodge après le jab par contre, parce que si Ronny le lit la prochaine fois, c'est terminé. Oh, c'est un immortel qui avait claqué son saut, c'est dangereux. Ouh, cette bombe qui avait touché le savoir spot de l'EB, pourquoi pas. Oh, c'est tendu, c'est de perte typé. Très bien joué la part de Ronny qui a lu complètement le mouvement de l'immortel. C'est vraiment bien propre. Le jeu de Ronny qui est vraiment très propre ce soir. Voilà, on l'avait pas vu jusqu'à présent, mais on aurait vu. Oh, le rite de l'air dodge, le F-Smash typé qui fait tellement mal. Et l'air dodge qui avait été lu, mais bien timé pardon, de la part de l'immortel. Pression sur le side B. L'immortel qui craque. Ne se fait pas flash. Oh là là, le punish très très propre qui on voit qu'il a failli tuer. Il a oublié de B. Je pense que c'est la fin pour l'immortel. Voilà, qui concide cette stock. Et c'est le 3-0 très très propre de Ronny qui a été impérial avec son Mart. Sur ses edgeguards, sur ses baits, surtout. Magnifique.